3, Le Noël magique de Michel Richard. C'est un spécial d'une heure diffusé à Télévision 4 saisons en décembre 89, mettant en vedette évidemment Michel Richard. Dans sa maison. Oui, sa vraie maison. Sa vraie. Fait que dans le fond, le spécial, c'est Michel qui organise un souper pour Noël. C'est son réveillon. Mm-hmm. Ça commence avec elle qui est dans le bain. Avec beaucoup de mousse. Beaucoup. Très lascive. Elle se couvre en chantant. En chantant une espèce de version française de I'll Be Home for Christmas. Mm. Là, elle sort de son bain aidée par sa domestique. Qui s'arrange pour la cacher avec une serviette. Ouais, ouais. Malgré toute la mousse, elle part avec sa mousse, puis finalement, elle s'en va écrire les invitations pour son réveillon qui a lieu dans quelques instants. Ouais. Puis, c'est ça qui fait office de générique. Le premier invité qui arrive, c'est Daniel Etu. C'est ça, c'est que chaque invité amène un cadeau à Michel. Oui, un beau cadeau quand même. Ouais. Mais il y a du budget dans tout ça. C'est ça, mais elle, quand elle reçoit les cadeaux, elle sait un peu c'est quoi déjà? Des fois, elle l'ouvre même pas puis elle dit ce que c'est. Bonsoir! Joyeux Noël, Maureen! Merci d'être là, Daniel. Joyeux Noël! Je te gage qu'on est les premiers arrivés. Tu gagnes, mais je suis contente que tu sois arrivé le premier. Merci de faire. Merci. C'est pour moi. Mm-hmm. Je l'ouvre. Oui, tout de suite. Tu connais mon point faible, hein? Et quand Daniel et tu arrivent, ils donnent un collier quelconque. Puis là, après, ils s'en vont faire une chanson. Ils s'installent au piano. Puis ils font un duo. Et moi, pour vous, je fais ces simples vœux. Qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux. À un moment donné, ils se lèvent du piano puis ils s'en vont continuer leur chanson sur le bord du foyer. Puis étonnamment, le piano continue à jouer. C'est le même, ça. C'est la magie noire. C'est vrai. Le petit le guette et il écoute la ronde folle des ailes dans le ciel. Après, il y a Nicole Martin qui arrive avec du champagne. Du champagne, le meilleur. Oh, mon préféré, du cristal. C'est ça. Je vais mourir. Merci. Attends. Julie, vous voulez prendre ça, je vous prie? C'est un peu lourd. Ah, oh, merci beaucoup. Et aussi son amoureux. Son amoureux qui a l'air d'avoir la moitié de son âge. Oui. Et plus tard, dans le spécial, Nicole qui chante une chanson seule devant le foyer avec son amoureux, couché sur son genou. Couché à ses pieds, la tête sur le genou, puis elle lui flatte la tête doucement. Mm. Ça pourrait être un objet, cet homme. On pourrait dire que c'est un genre de garçon-objet. Ouais, garçon-jouet. Après, il y a Jeannot Bergeron qui arrive, qui amène de la lingerie à Michel. Qui est enveloppé dans des genres de paquets. C'est pas clair du tout que c'est de la lingerie, mais non. Michel le spot tout de suite. C'est bien belle! C'est super! Bonsoir, Ken, bonsoir. Ça va bien? Oui. C'est un petit luxe pour toi, un petit cadeau petit personnel. Prêtez-y de la lingerie fine, le grand luxe. Merci. Ça fait tout de suite. Julie, vous voulez prendre ça? Wow! Quel soir! Et après, les deux chantent au royaume du bonhomme d'hiver ensemble dans la cuisine, qui font à semblant comme de faire de la bouffe. Mais de façon très peu convaincante. Sous la neige qui tombe, le traîneau vagabonde se monte tout autour, on chante son amour au royaume du bonhomme hiver. Ce qui me fascine, c'est que Jeannot Bergeron et Michel Richard soient ensemble. Quand dans ma tête, c'était une a remplacé l'autre dans Garden Party. C'était des rivales. C'était des rivales, mais ça, c'était peut-être avant. Probablement. C'était. Les temps étaient meilleurs. Eh oui, une époque plus simple.
Ensuite, il y a Rock voisine qui arrive avec sa blonde Myriam, et puis il y a un gros cadeau. Puis là, Michel est vraiment très excité par le cadeau de Rock, et elle le déballe en jouissant. Oh, bon sang, t'es fou! Oh, le lynx de mes rêves! Joyeux Noël! Merci! Joyeux Noël! Mais Rock voisine fait aussi une chanson, il fait Sainte Nuit après avoir regardé à travers la fenêtre et se rappeler des chansons de Noël. Dis-moi, Rock, t'as l'air tout drôle. Y a quelque chose qui va pas? Non, non. J'écoutais la musique. C'est drôle, à chaque fois que j'entends cette chanson-là, je me retrouve petit garçon à la messe de minuit. Là, sa version de Sainte Nuit, c'est lui qui joue à la guitare, mais sa guitare sonne comme un clavier Casio. Qui continue de jouer même quand il en joue plus aussi. Mm. Oh, nuit de Sainte Nuit, dans le ciel. Ensuite, il y a Claude Dubois qui vient porter à Michel un collier de perles et son album à lui, son album cadeau, album de Noël de Claude Dubois. Excellent album, ben oui. Il lui chante ensuite une chanson tirée de cet album-là. Michel, la chanson cadeau. La chanson cadeau, voilà. L'album cadeau. Qui lui a donné un cadeau. Et Michel est vraiment starstruck, des étoiles dans les yeux tout au long. Elle est vraiment séduite par la beauté de Claude. Je sais pas que... Ok. Je sais pas où je m'en allais avec cette phrase-là, je l'admets. L'hiver a pris son allure habituelle. La poudrerie danse dans la ruelle. Puis ensuite, Claude déclare à Michel que c'était son plus beau Noël, puis il s'en va. Ouais, on le revoit plus. Il était là juste pour faire sa toune, puis il nous dit qu'il y avait un album de Noël. Ça, c'est son gérant, sûrement. Ouais, sûrement. Merci beaucoup. C'était merveilleux. Le plus beau Noël. Je t'aime. À bientôt. Au revoir. Le gros morceau du spécial, je dirais, c'est ce qui se passe. Ce qui va se passer, là, c'est... Pendant que tout le monde est à la table et commence à chanter ensemble, donc chacun fait son petit back vocal. Sa voisine, Nicole Martin, Claude Dubois a écrit son camp. Mais, ouais, mais pendant ce temps-là, Michel décide aussi de s'en aller. Quelle belle nuit, du bonheur, de l'amour plein la maison. Je me demande si tout le monde est aussi heureux que moi ce soir. Je me demande si, au village, Noël est aussi beau. Ses invités ne semblent pas réaliser. Non, c'est pas en plein. Continuent de chanter, puis ils sont tous dedans. Et là, il y a Michel qui... En fait, ça coupe, puis là, c'est Michel, mais qui est déguisé autrement. C'est comme vieilli, est habillé en noir. Mm-hmm. Puis elle fait un espèce de monologue sur le boudin grillé. C'est exactement sur ça, Simon, t'as bien compris. Il y a plein de monde dans les rôtisseries. Les épices Smart, les charcuteries... Ça sent bon, et le boudin grillé. Elle fait en fait la Charlotte Prix Notre-Dame, ce qui est une espèce d'histoire d'une vieille dame mendiante dans les rues le soir de Noël qui est en train de mourir de froid pendant que tout le monde consomme et s'amuse. Ouais. Donc elle fait ça. C'est vraiment comme pour mettre en valeur ses talents d'acting. C'est très réussi d'ailleurs. Gardez-moi avec vous dans le paradis. Prenez-moi où il fait chaud, où il fait doux, où plus jamais je ferai la vie. Emmenez-moi, Zit, emmenez-moi. Avant que la nuit soit passée, que je sois encore ramassée. Emmenez-moi, Zit.
Après ça, ben, on est de retour dans sa maison pendant que Nicole Martin chante une chanson avec tous les autres. Ils sont rendus au salon, le repas est fini. Je pense que c'est Glory, Alléluia. C'est vrai. Et puis, ils chantent tous ensemble et tout à coup, la caméra se tourne et ah, Michelle est assise au piano elle aussi. Personne ne remarque son absence d'aucune façon. Michelle, finalement, se réveille dans son lit. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Julie? Madame, c'est que... Mais allez, dites, qu'est-ce que vous avez à dire? Il est 4 heures du matin. 4 heures du matin? Soyez pas drôle, Julie. Mais les invités, est-ce qu'ils sont là? Vous aviez l'air tellement bien qu'on n'a pas osé vous réveiller. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Si vous le permettez, on aimerait bien rentrer dans nos familles. Je comprends. Allez. Joyeux Noël, madame. Joyeux Noël à vous aussi. Et saluez tous les gens de la famille. Ils sont fous de pitié, les deux. 4 heures du matin. Ils ont juste attendu pendant qu'elle dormait. Moi, je pense qu'elle a été droguée, en fait, par le domestique parce qu'au début, il lui donne une coupe de champagne. Elle boit une gorgée et elle tombe inconsciente sur sa chaise. Penses-tu qu'ils l'ont droguée? Sont allés vivre leur truc avec leur famille puis sont revenus à 4 heures du matin juste faire pour pitié puis pogner leur chèque de paie. Et je suis impatiente. Peut-être bien que je me guérirai un jour. Merci. Mais finalement, tout ça n'était qu'un rêve, puis Michelle est restée toute seule, en réalité, toute la soirée, à dormir dans son lit avec sa belle robe et ses super grosses boucles d'oreilles. Ça devait être vraiment confortable. Puis donc là, elle est très déprimée, elle se relève et à 4h du matin, entend la chanson. Pas facile d'être une chanteuse populaire qui répète souvent « On est toujours tout seul ». Spécial fini que c'est elle tout seule. Et voilà. Fait que c'est ça, super triste. C'est ça son Noël? Ouais. En même temps, on peut comprendre. Serais-tu allé, toi? Non. Moi, je serais peut-être allé. Honnêtement. Ben, toi, oui. Moi, je serais peut-être allé. Ouais. Mais pas tout seul. Non, mais moi, si j'avais su que Claude Dubois était là aussi, j'aurais fait. Alors, non. Ouais, mais il est pas resté longtemps. Ouais, yes. Le sapin. Demain,